Radio Télévision Nationale Congolaise. Nous sommes à l'aéroport de Ndjili où dans quelques instants, la dépouille du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba, va arriver en provenance de Lubumbashi. Le Premier ministre chef du gouvernement qui était à Lubumbashi pour recevoir ce corps qui revenait cette fois-là de Kisangani est donc arrivé à l'aéroport d'Ndjili. Il a précédé cette dépouille. Ça veut dire que dans 15-20 minutes, 30 minutes peut-être, le corps d'Emery Patrice Lumumba pourra donc arriver à Kinshasa pour les derniers hommages des Kinoises et Kinois, mais aussi de toute la République démocratique du Congo à travers la télévision nationale. Toute la République suit en direct ce qui se passe et les hommages qui sont rendus au tout premier Premier ministre de la République. Je vous rappelle que depuis ce lundi, la République est en deuil pour 3 jours, les drapeaux sont en berne. C'était une décision prise pour honorer justement cette personnalité illustre de l'indépendance de la République démocratique du Congo et pour vous faire vivre cet événement. Depuis l'aéroport de Ndjili où la RTNC se trouve pour l'instant, Asedo Congo parlera en Swahili pour permettre à tous ceux qui sont dans l'est de la République démocratique du Congo, mais partout ailleurs, locuteurs de la langue Swahili, de comprendre ce qui se passe ici. Victorine Kenge interviendra en Kikongo pour que tous ceux qui sont dans le Congo central, dans le Bandundu, mais partout, en Angola, au Congo-Brazzaville, qui parlent la langue Kikongo, de comprendre ce qui se passe ici et pourquoi nous sommes à l'aéroport international d'Ndjili. Mathieu Moudibango reviendra pour le Lingala et Prince Mopoi, il le fera en Chuluba pour les locuteurs de ces différentes langues nationales. C'est le devoir de la Radio-Télévision Nationale Congolaise pour vous faire vivre dans les moindres détails, mais en tout cas avec toute la population congolaise, ce qui se passe ici à l'aéroport international de Ndjili à l'occasion de cet accueil, de la dépouille d'Emery Patrice Lumumba qui va intervenir dans quelques instants. Et dans quelques instants justement, le directeur adjoint de la presse présidentielle interviendra. Giscard Koussema est avec nous pour échanger de temps à autre sur ce qui se passe ici à l'aéroport international d'Ndjili. On nous fait dire que l'avion qui vient d'atterrir tout à l'heure a son bord toute la logistique qui accompagne cette dépouille d'Emery Patrice Lumumba en attendant que le corps n'atterrisse ici à l'aéroport international d'Ndjili. Pour permettre à tous ceux qui sont devant leurs petits écrans pour suivre cet événement et en langue nationale, à ceux de Congo, en Swahili, en quelques lignes, qu'est-ce qui se passe ici à l'aéroport international de Ndjili? Kweli Edi Chala, tunapatikana kunako uwanja wa ndege ya Ndjili, mahali ambako wakongomani raia wa mji wa Kinshasa wako wanangojea kabisa mwili wa marehemu waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emery Patrice Lumumba. Yapita miaka 61 tangu aliweza kufariki, ndiye mwili wake uliweza unarudishwa leo katika nchi yake kwa kuweza kupewa mazishi yenye kustahili, kwa kuona kwamba kweli Ubelgiji ulikubali sasa kutoa mwili wa marehemu Patrice Emery Lumumba, waziri wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli mwili wake uliweza kuzunguka kabisa katika majimbo mbalimbali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mahali alipozaliwa, mahali aliweza kufanya makazi mbalimbali. Mwili wake uliweza kuzunguka, kwani mtajua kwamba aliweza kuzaliwa mnamo tarehe 2 Julai mwaka 1925 pale Katakokombe. Basi aliweza kufariki mnamo tarehe 17 Januari mwaka 1961 pale Lubumbashi, upande wa Shila Ndembo, kilomita 56 na mji wa Lubumbashi. Basi marehemu aliweza kuacha mayatima pia bibi mjane. Basi leo siku ya kwanza kweli ni kipindi ya mwisho kabisa ya mwili ya mji wa Kinshasa kuweza kupokea mwili wa marehemu kutokea upande wa Lubumbashi kwenye waziri mkuu Jean-Michel Samalukonde. Kweli
amekwisha kabisa kufika kutokea upande wa Lubumbashi kwenye aliweza kushindikiza mwili wa marehemu kwa kuweza kupokelewa na wakongomani wote kuweza kumtolea heshima ya mwisho. Amekwisha kufika hapa mjini Kinshasa kwa kuweza kupokea tena. Tutajua kwamba ni sherehe kubwa kabisa yenye kuongozwa kunako uwanja wa ndege ya Njili, kwani wakuu mbalimbali wamekwisha kuingizana kabisa kunako uwanja wa Njili kwa kuweza kupokea mwili wa marehemu waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Emery Patrice Lumumba. Kweli tunapatikana pa kunako uwanja wa Njili. Ni sherehe kubwa kabisa yenye raia wa Kongo walitamania kabisa kurudi katika historia ya nchi yao. Ni ya lazima kabisa raia wa Kongo waweze kujua historia hiyo, watoto wetu waweze kutambua historia hiyo. Ndiye leo raia wote wa Kongo wako katika furaha kwa kuweza kusherekea sherehe hiyo kubwa ya kuweza kupokea mwili wa marehemu Emery Patrice Lumumba. Edi Chala, Victorine Kenge. La dépouille du tout premier ministre va dans quelques instants arriver à Kinshasa. C'est une dépouille qui vient de Lubumbashi, où le premier ministre chef du gouvernement avait été pour recevoir cette dépouille. Matondo mingi kangi Edi Chala, ba tata ba mama ba ina nyosuke na kulanda television ya plepe na tangu yai bende kwa kulanda beto katuka nganda ya avion ya Njili. Ntama mingi ve beto fana ya mba mvumbi ya ero national mfumo aluyalu ya ntete ya inti na beto mbuta Patrice Emery Lumumba zabati mvumbi kina katuka na Lubumbashi na Okatanga kifulu penza ya kwa ndaka mtu etapi ya ntuka ya ba province kifulu. Badi dilaka yandi na kifulu ba mvumbi kumaka nti na kifulu yina ba kufaka yana masasi batata ba mama fundi benza bati mvumbi ya ya Patrice Emery Lumumba beto vingilaka yao ba mvula makumi samba na mosi ya mvimba ya vanda kilumba makumi zole nde yinti ya Belgique kuzaka pesa mvumbi yina na bampangi na baba na mabuku ya Kongo demokratiki ya vanda kapenda ndambu ya nzutu ya pesa maka na manantuala ya mfumo ya luyalu nyoso zole ya vanda Kongo demokratiki na inti ya Belgique kuna na inti ya Belgique bana kumungu bake vuzingila kakuna bapesa kambote ya ntuka na mvumbi ya Lumumba na manima na yao kiluma makumi zoe na zole ya bakaka ya kuzaka au mpea bakaka ntila sana kukwenda na province nandu kifula ni butukaka ya tambulaka na bambata mutuni mutindu na chumbe na unola unoloa na buwaya nandi kuna peba nkinja mutuni mutindu kusaka salama na manima ya Sankuru ya kundaka na Kisangani kuna ya vandaka ambuta mbudeste baati lukwe bontwa disi ya senande ya mbaka yao mpina manima na yao ya kuendaka na Lubumbashi sesebi ya ibeto ina kufingila yao samuti ya kumina beto awa na mbanza Kinshasa. Edi Chala, basi lwa bonyi Edi Chala viki kenge bwaboso bika balonda chisanji cha chitonga tutusangi jibwa ku chifalu chandeka mwaba wikala boni cha kufikisha mukampo ni kajiba mubiji wa Patrice Emery Lumumba ujumika la ufimina kuluseka lwa province wa Okatanga katu mashi bwase mubiji eu vumufika mu mchimya cha Kinshasa ufimina kuluseka lwa jitunga ja mutanda wa Belge mwikwa kijile kujimene kavulambe di Jean-Michel Sama Lukonde vumukala muleji mpalo wa fumu wa jitunga muja masato mafuku mkumi abijina abijia mwenju wa kabalanshipu eu mvu mubiji wa Patrice Emery Lumumba mufika munu mujitunga ja Kongo Demokratike jamanai mubiji eu vumuina pa Lukasamu province wa Sankuru mwaba uvwa ba fumbakabu kulu bikalaba kukwila ni bana bonso ba Sankuru munena bikalaba ya bwakumuna mushindu wakuvuluka umwa wakubairo national utubile bwase Patrice Emery Lumumba bashisha mu bije vumkala mufikisha mu province wa Chopo tusangije bo Stanley Ville bwa muchukondo achikadi bwa chukosha le bile bwase Kisangani mwaba uvwa bamba kubaina bana ni pesa na bamba kubachwita bikalang baya kukukwila mubichi ewu nitumeka buwase vitamine na ivo Patrice Emery Lumumba mwikala mwuluanga na buwa mianda ya jipanda mwitu wa jishila kulusekeli mwukulu wa province wa Chopo mwville wa Kisangani mchukondo wa tubile buwase Stanleyville mwumana mbamana kumbuka na mubichi kuluseka lwa province wa Chopo mbaya kuhila na ungombo kuluseka lwa province wa Okatanga vipikala jalimingu jisha kunyima jamafu kumako vijina sambo mbo kabalanshipu ewu mubichi ufwa mwia kwa kijili kujimene kabla mbe Jean-Michel Sama Lukonde
Mouvene Moulombo de la province Jacques Kiaboula Ngoule le Wadj Moudjama Fukumkoumé Bijin Mouane Mouteke Taka Balanchipu Njitoukou Djidji Kalabou Tchakoufika Mubiji Eou Mounou Mouchimenga Tcha Kinshasa Bouakoumouna Mouboukou Koukouila Nkou Basombele Mboukalenga Badibigala Basangi Djibou Mouabe Eou Menekav Lambe Djan Michel Sama Lukonde Moumana Koufika Mougalou Fimeno Seke Nkou Lua Bua Lua Okatanga Bane Neba Shishilangana Badji Mouaba Eou Bajba Maja Akaboukoulou Mbama Nkousangi Djibou Mouaba Eou Bouakoumouna Mouchindou wa kwa kijila mubiji ewa Patrice Emery Lumumba nkubulongolo jibujibika la mushindo ya pajiba jikumi ni tanu ewa netusunsa makumia satu wa makumia nani biapa mutu ndekanika ni chakutuka nifikala ndekanika chakutuka kwekashibu mubiji ewa wakumuna wakukukwila niba ina palu kasakunzu buwachimuendo wabukale nyo tambuase paleti peple Baledi peple kimwaba wikala mubiji ewa ni chakulala malaba waja mabiji wikala jituku jomekela Bamba kubami lopo ne banene bafumbani na bikale ni chakuru buku kuila ni muja masatu ajalo kumpala ni bikale chakwina ukunzu bwa mujimu wa fumu ajitunga Felix Antoine Tsikechilombo bwa kuyu ukulala munzubu wa mujimu wa menekavu lambeji bwa bwa tumani bwa se Patrice Emery Lumumba ujumi kala menekavu lambeji wa jambeji mbeji wa kumpala bwa ujitunja Kongo Demokratike kiboloka yu mubiju enda muja masatu ni bikale chakulala kuluseke ni muja manai ama fuku makumia asatu kabalanshibu anjitu kujome kele jipandali tunja Congo démocratique en djikala bouncha kujila mu bichi e ou pa échangeur wa limité moi ba ou djikala mwenze la mozole wenda ani luki te wenda moi ba ou ikali ni chakui kisha bimpa bitamba kati ni ngali kutole pa lukasa kuti matie mu djipangu bokunu vuisha u mu chikoso tshijanu chiba cha kungu nu vuisha imo ya kumianu ni timu yonso nyenza kuti Patrice Emery Lumumba Nathan Bobotti Oui, à la radio télévision nationale congolaise, Mbote, Bipa et Bisso Bozuli Bakou et Tokome Libino, Venenangonga, Zomi Namitano, Yasima Yadanga, le deuxième commandant, Mposo, Miatoukoumi Balé, Nassambo, Sanza Motoba Moku, Kote Balé, Tukou Baïna Ibalé, Sima Miku Tukou Motoba Namoko, Baneko Congo démocratique, Okatia Léopold, Ville et Bengamaka Kalakasi Lolo, Ngomokozi Kinshasa, Bazali Komile Gela, Oma Balabala, Meke, Pona Koyamba, Bienzoto, bien ministre Mokozi wa Yambo, ya République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, le Yenemsa qui bilote, Kokisi Mibutuku Motoba na Moko, Nelelo, Banengwa Mokozi Kinshasa, Bakomona Polele Polele Omisu Elombe, Wabengaka Héro National, Elombe, Yekola Biso Congo démocratique, Yewana, Biten Bienzoto Yaye, Biseko Koma Aon, Zali Banda Yan Pepo, Yan Jili, et Pepo Komona Babin Misala Mabina Mabankoko. Bazali wana baike pona kotalisa ezali mokolo monene na lisitwale ya République démocratique du Congo dembete na mabongisi mai maso bazali komilengela au kata libanda lya mpepo lya njilo komini ya ntele epaipe tozwami baike penza baimbula matari bazali bokambe mi bwa ministre mokonzi bango banso bazali a pona koyamba pe tobanze te monene kolo mais la kokomela biso kati na oesika ezali molulu monene mpona bana RDC mobimba Patrice Emery Lumumba toko tobeti mwa lisolo moke na mwa minute ya botangi lelo biteni bya nzoto bya yebi kobutwa au kati ma mokonzi Kinshasa na kouta okati tuka ya okatanga kasi maso mabandaka mokolo mwa yambo mwaposo moleki ezaki mia tuku mibale oengumba Bruxelles okati ekolo Belgique epai wapi banoko babiso babege babaki kozongisa biteni bya nzoto eye ya Patrice Emery Lumumba na maboko ya République démocratique du Congo onzela ya bakamba bale ya mbula matari za mokambi ya mbula matari ya Belgique Alexandre Decrou pe lisusu mokambi ya mbula matari ekolo biso Jean-Michel Samalukonde Kenge maso bazalaki na bayimbula matari epai bapesaki pe mokolo mei nzoto ya Patrice Emery Lumumba elalaki kuna na ndako ya ntoma ya République démocratique du Congo kati ekolo ya Belgique po ete mokolo mwa mibale mwa poso yango ezwaki mpepo ekomaki mbe kati ya moko ya ngwa mokonzi Kinshasa moko mwa misato mwa poso kokende o etuka ya Sankuru epai wapi etuka yambo baso babandaki mpona kopesa lokumu mpe koyamba na limemia na botosi bonso ministre mokonzi wa yambo Patrice Emery Lumumba na banzi ete lolenge bozali kolanda osima ya etuka ya Sankuru tokei na engumba Lumumba ville
epai wapi na onuwa epai wapi mululu monele mosale makikuna pena mikolo mibale pona tina kopesa lukumu kotala misala mikasi epai wapi Patrice Melulu Mumba bosa na teze epai ya botamaki ndesika maso mabanda kikuna na mokomo misato mwaposo mwemuti koleka pwete toko malelo mokomo ya mwaposo asika kasi soko lengwaki okati tuka ya sankuru etuka ya ibale ezali asika ya salaka mosala mibu miike kobanda bolenge na mibu zomi na libwa ezaki kale benga maki Stanley Ville baike leko ena bazalaki te kasi lelo ebenga maka engumba Kisangani okati tuka ya chopo epapa salaka mosala mokasi Patrice Emery Lumumba nzoto ayebi te nzoto ayebi komaki kuna engumba Kisangani kolongwa engumba Kisangani ebutwaki kino na engumba Lumumbashi Elizabeth Ville lelo Lumumbashi epai wapi bakomaki kino wana toko mona baimbula matari ndakisa molanya ministre mokonzi ministre mokamisa mondele mboka boke pe misame bonkoko Daniel Asselo ye wana ezali lokumu editala kopesa lokumu eye sherbe okende ya zako kamba mai matari botambo liba bato katia mituka pempepo ezali lokumu eza kopesa ma na ministre mokonzi wa yambo Patrice Emery Lumumba editala lokumu wana na moni wako seka esye koti po katia mabele mayo. Merci Mathieu Dibangou pour ces informations à Lingala. C'est une partie de la culture congolaise. La danse et le folklore étaient là. Les ministres, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et les ministres de transport, voie de communication et des enclavements se retrouvent un peu dans leur culture. Ils exhibent quelque part des danses à l'occasion de cet accueil qui est réservé à la dépouille de l'ancien premier ministre ou du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba. Giscard Kousséma, qui est ici avec nous. Mais Giscard, vous qui avez le programme, comment ça va se dérouler après ici, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va certainement s'incliner devant la mémoire de cette illustre personnalité à l'accueil de cette dépouille mortelle. Et puis, dans la suite, qu'est-ce qui va se passer? Merci beaucoup, Eddy Tchala. Il convient de préciser de part que c'est dans une demi-heure exactement que l'avion qui transporte la relique du tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo va atterrir ici au pavillon près de l'aéroport international de Njili. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sera ici. C'est lui en personne qui va accueillir la dépouille du premier ministre et il va également s'incliner devant le cercueil de 120 kilos qui sera placé au milieu de cette chapelle qui a été érigée à l'entrée du pavillon présidentiel. Ainsi s'ouvre donc autour de deuil national et la de ces périples mémoriels. Comme vous le savez, c'est depuis le 20 juin de cette année que la Belgique a remis en fait, la danse. C'est la seule relique qui témoigne donc du décès du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. Donc, ce cercueil sera déposé devant cette chapelle qui est érigée devant le pavillon présidentiel ici. C'est là que le président de la République va s'incliner. Il y aura une procession faite des éléments de la garde d'honneur, des forces armées de la République démocratique du Congo. D'ici, les cortèges funèbres vont s'ébranler pour le palais du peuple. Ce cortège qui va traverser la ville capitale jusqu'au palais du peuple. Il est prévu 2 jours d'hommage populaire. C'est au palais du peuple, siège du Parlement, où les Congolaises et Congolais vont rendre hommage au Premier ministre Patrice Emery Lumumba. La journée d'aujourd'hui donc et demain, ce sont ces hommages publics. Et mercredi, le 29, donc la veille de l'enterrement, ce sera un autre événement, c'est la décoration au palais de la nation, c'est la présidence de la République, de deux collègues
de Patrice Emery Lumumba, ses deux compagnons, Okito Mpolo. Ils seront décollés, décorés de la plus grande distinction honorifique de la République démocratique du Congo par le président de la République en présence de délégations étrangères, des chefs d'État certainement, mais aussi des chefs de gouvernement et des délégations des hauts rangs. Jeudi 30 juin, c'est la date d'un hommage également avant l'enterrement. Finalement, ce sera l'épilogue d'une longue bataille qui a commencé depuis plusieurs années. Il était anormal d'avoir un héros national sans sépulture. Et finalement, c'est donc cette relique qui vient réconcilier... C'est donc cette relique qui témoigne du décès, parce que dans la tradition africaine, on ne peut pas faire les deuils de quelqu'un lorsqu'on n'a pas vu son corps. Donc jusqu'ici, il était porté disparu, mais avec cette relique, on comprend donc que le premier ministre de la République démocratique du Congo va avoir droit à un deuil national qui débute d'ailleurs aujourd'hui jusqu'à mercredi. Alors Edith Chala, comme on le constate ici, à la tristesse se mêle un sentiment de joie pour toute une nation, pour la simple raison que justement une page de plus s'inscrit. Donc toutes les fois qu'on parlera de Lumumba, on ne manquera pas de mentionner sa date de naissance, la date de décès, mais aussi la date d'hommage public et d'enterrement. C'est ce qui manquait dans l'histoire de ces héros nationaux. On ne peut pas comprendre une personne vénérée au plan national, vénérée également un peu partout à travers le monde entier, parce qu'il y a partout, même dans des horizons très lointains, il y a des squares, il y a des places publiques qui immortalisent cette icône africaine. Il était anormal que ces héros nationaux, les tout premiers, n'aient pas une sépulture. C'est donc grâce au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que ces démarches se sont accélérées et ont abouti justement jusqu'à la remise de ces reliques qui sont attendues ici à Kinshasa. Il convient également de rappeler que ce périple mémoriel a conduit successivement le premier ministre d'abord à Onalua, son village natal, c'est dans la province de Sankuru. C'est là qu'il naquit en 1925. C'est là également qu'il entreprit ses études primaires et secondaires. Mais sa carrière a véritablement débuté dans la ville de Kisangani. Kisangani qui était d'ailleurs la deuxième étape. C'est là son fief politique naturel et c'est là également que sa formation politique, qu'il a obtenu son ascension politique. C'est là qu'il a même été élu député national, parce qu'il a été député national et c'est l'Assemblée qui a fait de lui premier ministre. Donc c'était symbolique pour cet hommage qu'on peut considérer des politiques dans son fief de Kisangani. Et puis l'autre étape, c'est Lubumbashi. Lubumbashi, c'est là qu'il a trouvé la mort, mais c'est là également qu'il a sorti tout son esprit nationaliste. En fait, si on parle de Patrice Emery Lumumba comme un grand nationaliste, c'est parce qu'il est arrivé pour convaincre certains de ses compatriotes qui pensaient que comme l'Afrique équatoriale française, la République démocratique du Congo, qui n'était pas encore une nation, qui n'était qu'un État, devrait se démanteler. Et il est arrivé justement pour convaincre ses homologues, ses compatriotes qui avaient des velléités sécessionnistes, qu'il fallait rester une nation unie. Et donc c'est à Lubumbashi, et c'est de là malheureusement que ses oppresseurs l'ont conduit à Chilatembo, où il a été décapité dans de circonstances non élucidées avec ses homologues Mpolo et Okito. Et voilà donc, après ses voyages à l'intérieur du pays, Lumumba fait son retour ici à Kinshasa, la capitale, où une sépulture lui est réservée dans un endroit tout aussi symbolique. C'est au centre de la capitale, c'est devant le monument qui porte son nom, au milieu du boulevard qui porte également son nom, et c'est d'ailleurs resté historique. Aujourd'hui, toutes les grandes artères de villes congolaises portent les noms de Patrice Emery
Lumumba. C'est une histoire donc qui s'est complète ces jours avec l'arrivée. Alors toute la logistique, comme on le sent, s'apprête. Selon les prévisions de la régie des voies aériennes et d'Itchala, c'est dans 20 minutes exactement, parce que l'avion a amorcé son processus d'atterrissage depuis quelques 10 minutes les services de la régie des voies aériennes ont repéré cet avion qui transporte la relique du premier ministre de la République démocratique du Congo. Nous avons cité Patrice Emery Lumumba. Alors, pour ce qui concerne la cérémonie sur place ici, nous rappelons pour ceux qui viennent de nous prendre en cours que c'est le président de la République en personne, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va accueillir la dépouille. Il va également s'incliner avant de donner les go pour que les cortèges funèbres s'ébranlent jusqu'au palais du peuple, lieu des hommages populaires. Le président de la République sera entouré par les anciens premiers ministres. Nous en avons aperçu quelques-uns au niveau du pavillon présidentiel. Mabi Mulumba, le tout récent Bruno Tshibala, mais aussi Sami Badibanga, ils sont là. Mais à côté d'eux, il y a également des anciens présidents de l'Assemblée nationale. On a aperçu Thomas Luakalo Senjola, mais aussi Évariste Boshab, qui sont déjà là. Mais ceux qui sont en place sont également ici. Christophe Mboso Kodia, mais aussi Modeste Baati Lukwebo. Des corps constitués et des membres du gouvernement qui viennent accompagner le président de la République dans cette petite cérémonie sobre mais très significative. Merci Giscard Koussema pour tous ces détails sur ce que réserve le programme de ce grand événement. L'événement, c'est l'accueil de la dépouille du tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba. On en parle beaucoup, on en a beaucoup parlé. L'histoire a reconnu les mérites de cette grande personnalité, mais on s'est posé toujours la question de savoir où était-il enterré. Et finalement, on va lui offrir une sépulture digne de son rang et digne de son nom. Ce sera dans une cérémonie très, très riche en couleurs. Le président de la République l'a voulu ainsi pour honorer la mémoire de ce pionnier de l'indépendance, de ce patriote qui, de son vivant, a marqué l'histoire de l'unité de cette République démocratique du Congo. Pour vous remémorer ce qui s'est passé dans cette démarche longue qui a conduit à la remise de cette dent à la famille Lumumba d'abord, puis ensuite au gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est que le 20 juin dernier, une cérémonie a eu lieu au palais d'Edmond à Bruxelles. C'est le lieu où s'était négociée l'indépendance de la République démocratique du Congo à la table ronde. Les échanges avaient eu à ce moment-là entre la grande délégation congolaise. Dans cette délégation se trouvait et justement Emery Patrice Lumumba. On a discuté de l'indépendance en ce moment-là et il était parmi ceux qui étaient catégoriques sur l'indépendance qui devrait être immédiate et sans aucun compromis. Voilà donc les gens, les personnalités dont on parlait tout à l'heure, les anciens premiers ministres, mais aussi les anciens présidents des assemblées nationales. Il y a Évariste Boshab et ancien président de l'Assemblée nationale qui est actuellement sénateur. Il y a Sami Badibanga, ancien premier ministre actuellement. Sénateur, j'étais donc en train de vous dire qu'Alexandre Dekou a prononcé le discours de circonstance le 20 juin dernier, quand la don qui devrait être remise à la famille Lumumba, ensuite au gouvernement de la République, devrait donc être remise. C'est en ce moment-là qu'il a prononcé un discours long et en trois langues, en français d'abord, ensuite en anglais et en néerlandais. Donc c'était donc exprimer la grandeur de la cérémonie, mais aussi la hauteur de la personnalité dont le cercueil avait été porté par près de 6 ou 7 cette Belge qui portait cette relique d'Emery Patrice Lumumba. C'était donc chose inimaginable à l'époque où Emery Patrice Lumumba prononçait ce discours improvisé
au Palais de la Nation, siège de l'Assemblée nationale à l'époque, où Emery Patrice Lumumba avait retracé l'histoire comme il se devait, contrairement au discours qui avait été très très protocolaire, qui avait été prononcé par le roi Baudouin et le président de la République en ce moment-là, Joseph Kassavubu. Ce discours donc d'Alexandre Dekou qui reconnaît le retard avec lequel cette cérémonie avait lieu, cette remise de la relique avait lieu à la République démocratique du Congo. Le premier ministre Samalou Koundé était présent, il est là aux écrans. Donc, le premier ministre Samalou Koundé qui a pris la parole pour le compte de la République démocratique du Congo à ce moment-là. C'était donc le 20 juin dernier et la fille Lumumba Juliana, qui avait pris la parole au nom de la famille, a rappelé le contexte encore sombre dans lesquels Emery Patrice Lumumba avait été assassiné, en posant quelques questions qui méritent encore d'être élucidées, un questionnement qui mérite même d'être rappelé, père où étais-tu pour la cité, père où étais-tu, père qui t'a tué, comment t'a-t-on tué, tout ça, un questionnement qui donne encore du travail aux historiens pour aller fouiller davantage, pour nous donner un peu plus exactement les circonstances de cette mort tragique d'Emery Patrice Lumumba, alors qu'il méritait tous les honneurs de la République démocratique du Congo. C'est Achille Atembo où le corps a passé nuit, hier, la nuit d'hier à aujourd'hui. C'est donc retracer l'histoire de cette grande personnalité. Le corps arrivé à Kinshasa mercredi dernier, il n'a pas passé nuit ici à Kinshasa. Vite, le corps a été amené à Naloa où Emery Patrice Lumumba a vu le jour. C'était il y a un peu moins de 100 ans. Voilà, donc cette personnalité aujourd'hui va être accueillie par le président de la République. La dépouille de cette personnalité va être accueillie par le président de la République. Ce sera donc une brève cérémonie comme Giscard Kossema vous l'a dit tout à l'heure. Et puis le cortège va prendre la route, la direction du Palais du Peuple. C'est le véhicule qui va donc porter la dépouille d'Emery Patrice Lumumba dans ce cercueil dont on a dit tout à l'heure qui pèse à peu près 120 kilos. Astrid au Congo, en Swahili, où est-ce que nous en sommes? Kweli tunaona wa viongozi mbalimbali, waziri mkuu, viongozi wa vyumba vyote viwili vya bunge, mawaziri mbalimbali wenye waliweza kushindikiza mwili wa marehemu upande wa Lubumbashi, Kisangani, Chumbe, wamekwisha kabisa kuingizana mahali hiyo ya uwanja wa ndege ya Njili kwa kuweza kungojea tu ndege yenye itakuja na kiungo cha mwili ya marehemu iweze kutua kunako uwanja wa ndege ya Njili. Kweli ilikuwa siku ya inga tarehe 22 na 6 Juni ndiye mwili wa marehemu uliweza kujielekeza pale Lubumbashi kwenye uliweza kwenda haji kunako kijiji ya Shilantembo, mahali ambako Emery Patrice Lumumba pamoja na wenzie wawili Maurice Mpolo na Joseph Okito waliweza kuuawa mnamo tarehe 17 Januari mwaka 1961. Tuna hapo viongozi wa majeshi, wa askari polisi, kweli memba wa serikali wakuu mbalimbali wa kiasili nao wote wamekwisha kufika kabisa hapa kunako uwanja wa ndege wa Njili kwa kuweza kungojea tu mwili wa marehemu. Hata viongozi wa makanisa mbalimbali nao vile vile wako tajari kabisa kunako uwanja wa ndege ya Njili. Basi mtajua kwamba upande wa Shilantembo ndiye mahali ambako mwaziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliweza kuuawa. Basi mahali hiyo na kwa vile vile kuliweza kutiwa mnara kabisa upande huo, kwani itakuwa sawa vile mahali ya utalii yenye imekwisha kabisa kutengenezwa na serikali ya jimbo ya Okatanga. Upande huo wa Lubumbashi kuliweza kuwa vile vile sherehe mbalimbali yenye iliweza kuongozwa mahali hiyo ya Ashila Ntembo, kwenye ambako bwana Emery Patrice Lumumba Okito pamoja na Polo waliweza kuuawa. Kweli wa ndugu wapenzi, mtajua kwamba mwili wa marehemu uliweza kupelekwa mahali mbalimbali kwa kuweza tu kutolewa heshima ya mwisho, sababu tangu aliweza kuuawa ni mara ya kwanza raia wa Kongo waweze kabisa kumtolea heshima hiyo, kwa kuona kwamba kiungo chake cha mwili kinaweza kufika kwa kuweza kumtolea majishi yenye kustahili kabisa, sawa vile msujaa mwenye aliweza kabisa kupigania nchi yake kwa kuweza kupata uhuru kutoka katika ukoloni wa Ubelgiji.
ndiye aliweza kumwanga damu yake tio kupigania tu uhuru wa inchi. Basi wazungu hawakumtambua kabisa, kuona na usuja wake walitamania kabisa kujua ni kitu gani kilikuwa kinamsukuma. Ni mapendo ya inchi ndiyo iliweza kumsukuma kutenda hiyo yote, kusimama kabisa kwa kuweza kutetea inchi yake. Ndiye aliweza kuuawa na kuweza kumwanga damu yake. Basi mwili wa marehemu kufika kwake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sababu tangu aliweza kufariki miaka 61 hakuwa na kaburi. Ni kwa sasa ndiye raia wa Kongo wataweza kabisa kumtolea heshima ya mwisho, kuweza kufanya kilio yenye itaweza kuendeshwa hapa mjini Kinshasa tokea leo. Kweli bendera itakuwa anasimama katikati kwa kuona kwamba tunaanza kilio ya msuja, waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunaanza kilio yake na bendera ya inchi itaweza kuwa katikati katika eneo nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwa kuona kwamba inafaa kabisa kumtolea heshima. Na mnamo tarehe 13 Juni ndiye mwili wa marehemu utaweza kabisa kutiwa udongoni kunako muzole yenye imekwisha kutajarishwa upande wa Echangeur. Basi watoto wa marehemu, bibi Juliana aliweza kujiuliza nani aliweza kumuua baba, baba yuko wapi? Basi watu wa historia wataweza kabisa kutafuta na waweze kabisa kuvumbua, kujulisha raia wa Kongo sababu gani aliweza kuuawa. Maulizo kwa mingi zaidi. Basi wa historia watapasha kutuambia, kutuadisia, kutueleza mingi zaidi kutokana na kuuawa kwa bwana Emery Badiondo Lumumba, shujaa wa inchi mwenye aliweza kabisa kugombania uhuru wa inchi yake. Victorine Kenge. Dada Astrid Okungo bampange luzolo mutindu mo sabisaka bino yauti beto kile awa na nganda ya avion ya njili kifulu kote na kuvingila mvumbi tondambu ya nzutu ya Patrice Emery Lumumba mfuma luyalu ya ntete ya Congo Democratique. Bampange bino zabati ya vanda kilima makumi zole tole 20 juin de kilimbu yina luyalu ya inti ya Belgique vutu lilaka Congo Democratique mvumbi ya Patrice Emery Lumumba ya mbalaye penza bana Congo Demokratiki fana sana matanga ya selika selika mpamba vye mvumbi kwa ndaka vye mutindu bame vutila vyeto mvumbi ya mbala ya ibana Kongo Demokratiki kina kusala matanga matanga ngome banda akilumbu ya bubu ya iba mpange luzolo nkinja nine salamaka na pale egmo ya Belgique na meso ya bamfumu ya baluyalu ya bainti zole sama lukonde kenge pusamu na Kongo Demokratiki mpe Alexandre Dekou sama na Belgique zabati bankindi batumingi baka kandinga ya vwanda mwana ya mbuta Patrice Mini mama Juliana baka kandinga na nkinzi hina na manima ya bankinzi hina nzutu to mvumbi ya Patrice Mini Lumumba kwenda kaleka na ambasade ya Kongo Demokratiki na inti ya Belgique ya vandara kiluma wakumezo na mosi ya ngonda samba na mvula beto kina kina ya mde mvumbi ya mbuta Patrice Mini Lumumba ero nasionale bikaka ntoto ya Belgique sana kukuiza awa na mbanza Kinshasa ya kumaka kiluma wakumezo na zole ya ngonda sambano ya mvula beto kina ya mpe awa na tanga kitaka awa nkindi mosi fandaka ve mafwa to mvumbi ya Patrice Emery Lumumba kwenda kambala mosi na province ya Sankuru zabati province nandi akifula no butukaka ya tambulaka na chumbe na Lumumba vile ti na bwala nandi ya unaloa zabati nzutu ina ya tambulia ya vandaka mbuta Christophe Mboso Nkodi ya Mpwanga kadisa Assemblée Nationale nde kwenda kana yao na province ya Sankuru zabati kuna bankinzi ya mutini mutindi ya vandaka bamfumo palata ya province ya Sankuru kuzaka sala nkindi ya nene mpendambu ya zole ito province ya zole ina mvumbi ya Patrice Emery Lumumba kuendaka ya vwandaka na province ya Chopo Stanleyville mingi pendana mbanza Kisangani ya vwandaka kilo makumi zoe na hiya ya ngonda sambani ya mvula beto kina ya ukuna ya yamba maka na ntuadisi ya sina mbuta Modeste Barati Lu Ukwebo kuna pe nkindi salamaka bana ya Kisangani kuzaka pesa ya ndimbote ya ntuka pendambu ya tatu ya vandaka na province ya Okatanga mingi pendana mbamba za Lubumbashi kuna ya vandaka
Fumaluya Lumbuta, Jean-Michel Samalukonde Kenge, Nandambu Bambuta Luya Lukifanusu, ministre Kelakutala Mambu Ya Kupanzangu, ministre Kutala Mamba Kunata Batunabi Manabau, ministre Culture, Mpinaba ministre Kakakaka, Yina Vanda Kavana, Kilumbu Yalumingu, Namanima Midi, Samna Kuyamba Nzutu, Ya Patrice Emery Lumumba, Nanganda Yavion, Ya Aluano, Mpinamanima Nayau, Ya Kwenda Kambala Mosi, Nabwala. Na bwala Shilantembo kifulu bakufoka yae na masasi na bampanda masadisi nandi okito na ampolo kuna pe veye mortere ya nene salama kakuna bana ya Lubumbashi pesaka yandi mbote ya Antuka na tango ya kutuba ya Ntutu ya Patrice Emery Lumumba ya kile na avion ya kina kukuiza awa na Kinshasa matanga nene ya bilumbu tatu fona salama awa beto na tango ya kutuba beto kupesa bino ntango mfumo aluyalu mbuta sama lukonde kenge Jean-Michel anime kumina beto deja awa anime katuka na mbanda Lubumbashi pene pene na yandi betena kumona ntwadisi ya sena mbuta Boneste Bati Lukwebo mpe mbuta Christophe Mboso Kodia Mkwanga ntwadisi asambe nasyona buwe ya daka naba mfumo ya kakankaka vile kumona ba ministre mpe ba senateur ba depute naba mfumo ya kakankaka Prince Mumpoi. Toi ce qui dit là Waboni Victorine Kenge kujibana bakana malandi wa shinga mbujemai wa balengela chikapwa masamba chipumwe na chakabinda mushindo mulusekolo lusambo mu province wa Sankuru nujibikala nutulonda ku bijijembi ku chipalu chandeka mwaba ujibena tanda bo special binji libo kujumwe na bo abiji na namba sombela muchimenga cha Kinshasa mushindo kai wikala mu biji bimo bya ku bijimba bya mu biji wa Patrice Emery Lumumba ni chakutulukila mwaba eweu mbana kutumwenda kaini mshindu kaji bika balon la bimba bitamba mwaba wikala bune shakuteka mubiji ewu baso mbele mbukali angamba tulangana mwabe kutoshu kutumene kafu lambeji kutumika losangi jibu mwaba ewu wakua kwa kijila mubiji ne pajiba jiku mini tanu tusunsa makumiasa tukambuwa se mchela tusunsa tukutubala kubianza ndeka nikala nishakutu luka bukupa tulubu mubiji ewu ne fumu wajitunga mkele nga Felix Antoine Chilombo nikala pene chakufika wala buwa se apa bons badibika la bakengel bokala mwabeu badibika la basangjibwa bulele la Congo démocratique tudibika la mumajilumbwa jivuluka cha meneka vulambeji wa jambeji mbeti wa kumpala mukashi mwaba mena baji tuja Congo démocratique Patrice Emery Lumumba mula chipati boko mushimu cha chinunu kama chitema makumi asambo mbo numwa lele tukatibinje bijimu bito kuma kumi asambo mbo nishuma mbo kwamba se mwanda uji bena Congo bonso bikala bulele la nikanyinga nyinga wa bimwe bya kumujimba bya Patrice Emery Lumumba bifo bilama mujitunga ja mutanda wa Belge kaji kumuyuki fumika mwezi kapanka chinga cha pamfumo ajitunga Felix Antoine Sketchlombo ni roi Philippe muchikondo chikala mufika ku sekeli nkulu ajitunga ja Belgique le Luanda bya kati bikenele bwa seye yi kala kubwa bimwe bya kubijimba bya Patrice Emery Lumumba bipingana mu Congo démocratique myane ni mifundu ijimika li jadika pamwanda ewu mene kavulambe Jean-Michel Samalukonde fumika mujifikiri kulu ni sekeli nkubwa ajilonda kashi ntekelwa muchenze lwawo mwina mwanda ewu bwajifika jamu bimo bya kubijimba bya mubiji wa Patrice Emery Lumumba pamwanda ewu Congo démocratique ni tukani cha ku pichila mu majiluni kani cha kuangata matuku asatu kutwaje lelu waji mu jamafu kuma 12 mwana muteketa kabalanshipu ton mu jamafu kuma 13 bwajipanda cha Congo démocratique to ambase makumi asatu a ngondo mwisambo mbu bwachiluba cha lelu kabalanshipu bwachiluba chi jajika anyi chiluba kwa chocho nuku majilu a ikala ni chakwenji bwa mbula bwa matuku asatu jibendele ja Congo démocratique kaja kubanda nasha ni jikala jipweka pinje undeka nyau wakutuluka Congo Airways bujaji kipikala bucha kufijibwa wala bwa se machine menemina ikala cha kwambula mubiji wa Patrice Emery Lumumba bimo bya kubijimba bya mubiji wa Patrice Emery Lumumba mama na kuimana mwabeu ndeka wa Congo Airways mumana kutuluka ni tumani bwa se mubiji wa Patrice Emery Lumumba chumwani kawe na mubikala kawe na mutumwa kwambwa se ndeka wikala ni cha kutuluka mwaba ewewu ni tupeta bujaji ki kujipa jikala bomekela nyande ya jimwangala ja jangumu Patrice Emery Lumumba mushiye bana bashiye bato kubasatu baji mushiya kajumwena kwenda ukama kula pati boku kama kufwa mubana basa tupashia ujene Roland Lumumba ki Lumumba Juliana Lumumba bobo waba mbajibika leno moyo ne
Patrice Emery Lumumba, pas échangeur ou alimenté. Mathieu Moutibango, Babos, Lingala, Batibatoudon, province, ou Équateur, Sidou Bangui, Norou Bangui, Nemongala, Chimoku, Vujimuchukoso, Chinga, Nitambet, Moubijo, Patrice Emery Lumumba, Nichakutuluk. Miniti Miti Kalimia Botangi, Prince Moupo, un peu pour. Et comme à Okata Libanda, un peu Yanjili, Kasimoko Molelo, et la ministre de Kodjakala, et Wouti, Okati, et tout cas, il y a Okatanga. Et tout cas, Okatanga, Chilantembo, et pas Yuapito, Zomikuna, Nantaka, kilomètre, Tukumitanu, Namotoba, Yakokoma Awa, Okati, ya Ngumba, Lubumbashi. Et pas yopi molulu moye mosalemaki uto lobi mokolo mwa lomingo loleki pe poko mwalelo obileko bien tongo tokundula bino ete Patrice Emery Lumumba yelombe ya République démocratique du Congo misala miike ye asalaki kotalisa palopa maya sakolaka pona bosomi bwa ekola biso Congo démocratique vous êtes comme mema ete biso banso bale koto mema wana kati ya etando eke ezali ministre Mokozi Wakala, Sami Badibanga Tinta, Mokambi Wakala, Yabulo Bakelimi Beko, professeur Evariste Boshab, Bangobana, Katé Sika Otozwami, Boko, ba ministre Bayambo Bakala, Bazali Awanabiso Elongo. Nazaye Kotalisa Nalisolo ete Patrice Emery Lumumba, Yambo ete koma lelo Katé Kuma Mokozi Kinshasa, Maso Mabandaki na Tuka. Ya Sankuru kuna tomona ki mokambi ya biloa ba kelimibeko Christophe Mboso Kodia Mpwanga moto atalisa kelongi ya mokambi ekolo Félix Antoine Tseke Tshilombo na tina koyamba biteni bya nzoto bya Patrice Emery Lumumba pe eleko ezalaki penza masolo pe milulu minene misalema kieza na maimatali bonkoko na biyamba masomana mazako talisa misala miye moto asalaki eleko azaki na omo ya mwete bambo bomaye pambate Patrice Emery Lumumba awakite na bokono te kasi bambo bomakie Patrice Emery Lumumba azaki kolobatango iso omia tuku misato sanza motoba mobu kotoko kama libo tuku motoba lipanda topé bon somi wa ekolo biso Congo démocratique bon soko tolongwa ki kuna okati tuka ya Sankuru baso tokendaki na chopo epai wapi na ngumba Kisangani mokambi ya biloba bongisi mibeko Modeste Bahati Lukwebo yenda zalaki kuna sepo na kotali sabelongi ya mokambi ekolo bango basato ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kenge Modeste Bahati Lukwebo pe Christophe Mboso Kodia Mpwanga bango basato oetuka yoko na yoko bazaki batali shiongi ya mokambi ekolo pona koyamba ndakisa okati tuka okatange saki ministre mokonzi Jean-Michel Samalukonde Kenge masomo maza kotali saete misala minene miarita biteni biso tokiti kino na babotama soko liko kati ya balabala ene et Lumumba okomona bato meke et tuluku ne tuluku baso bazali kozela ben alikali silioko komanda moko mwalelo bendele obitelo bipai biso ezali be okatikati ekotale cette kolo Congo démocratique okati ya matanga mikolo misatu ya ministre mokozi wa yambo ya mabele ma République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba ona biso baso toze kozela mo ngongere kina bilili bomona ki motuka moye tupe komema mabongo sanduku ya ye kino au palais du peuple et pas yopi ba botama baike ba kambi baike ba kisape ba senatele ba kelimibeko ba zali kuna pona kozila weleko e motuka mwango mwango mona mozali na bendele ya ekolo Congo oboso boyango na zali kobeta au palais du peuple pa yopi za la ba kelimibeko ba bongisi mibeko ba kambi baike pe ba botama
banso ba koleka pona ko pesa e mbote lokumu kotala etolanda na lisi to lokati abitelo kasi lelo miso mimoni ntoko na ntoko polele polele sima mibutu ko motoba na moko prince ezali lisi to le eye ezeko koma mandanga katikati ya bana kolo Congo démocratique et banso to ko zila loleke na tali sekete pele na ngonga moke mpepo ezali ko kita au Katalibanda d'un peuple, il y a Njili, Kassinaza, Kolobete, Patrice Emery Pumba. Il y a Awaki na Mibu, Tukumisato na Mitano. Mibu miye Awaki na Yango, Osma Mosala, Moyaza Kosala, Kati Kolo Congo, Mombotama, Omya Mibale, Sansa Sambo, Mobu Kotoko, Kamaliboa, Tukumibale na Mitano. Et tu vengas à l'été juillet 1925. Kassinaza Bongo, Mya Mibale, Sansa Sambo, Mobu Kotoko, Kamaliboa, Tukumibale na Mitano. Patrice Emery Lumumba abotamaka na mboka ona lua tozami kuna okati ya duka ya Sankuru wele ko ezaki Congo belge pa wapi ye abotamaka to kundula binete bana basato bae bazaki kuto kati kolo ya Belgique bona ko ya mansoko ya papa wa bango ezali bongo a editala na palo masili te kasi pepo eye ezali lisolote na banzi ministre mokozi wa yambo akozanaka. Et donc c'est à Congo Airways, il est 15h35 à Kinshasa à l'aéroport. Je disais donc qu'il est 15h35 quand cet avion a atterri à l'aéroport international de Njili. Dans cet avion qui est lui-même appelé Emery Patrice Lumumba, les protocoles se mobilisent, l'avion va faire son taxi et puis revenir sur ce pavillon présidentiel pour être accueilli par le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi, la personnalité dont on célèbre la mémoire aujourd'hui et dont l'accueil est organisé ici à l'aéroport de Njili pour la dépouille. Ici, c'est tout dire sur le rôle qu'il a joué, le rôle important qu'il a joué à l'accession de cette République à l'indépendance. Ça, c'est Jean-Pierre, c'est Jean-Pierre Bemba justement qui vient d'arriver lui aussi. Aucun homme politique de grande envergure dans cette République ne voudrait s'empêcher de participer à cet accueil en mémoire ou cet accueil organisé et pour la dépouille d'Emery Patrice Lumumba. Vous comprenez donc cette cérémonie et la présence de toutes ces personnalités importantes qui arrivent à l'aéroport de Njili accompagner le président de la République pour recevoir cette dépouille qui est donc arrivée avec l'atterrissage il y a quelques minutes de cet avion Emery Patrice Lumumba. Nous sommes bel et bien le lundi 27 juin 2022. Patrice Emery Lumumba, 62 ans après, vient de faire son retour, du moins sa relique, la seule qui existe, qui prouve qu'il a vécu et qu'il est bel et bien décédé, qu'il a droit à une sépulture, vient donc d'arriver ici à l'aéroport international d'Njili. Le président de la République en personne va accueillir cette relique. Il va s'incliner et se donner l'écho à 3 jours d'hommage public ici dans la ville capitale Kinshasa où il sera inhumé dans un caveau aménagé au mémorial Patrice Emery Lumumba, ex-échangeur de l'IMETE. Ainsi s'ouvrent donc 3 jours de deuil national sur l'ensemble du territoire national et aussi l'épilogue d'un long périple mémoriel qui a conduit Patrice Emery Lumumba tour à tour à Onalwa, son lieu de naissance, à Kisangani, son lieu d'apogée politique, mais aussi à Lubumbashi, non seulement lieu de son combat politique, mais également lieu de ses derniers jours. Et avant donc d'arriver ici à Kinshasa, nous rappelons qu'il est prévu donc ici le recueillement du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui attend de pied ferme cette dépouille depuis son salon présidentiel à quelques mètres seulement de là où est érigée cette chapelle ardente. Sont présentes ici plusieurs autorités. En dehors du président de la République, il y a le ancien vice-président de la République, mais je dois à préciser que même le président de la République honoraire a été invité, mais en tout cas
sa présence n'est pas signalée jusqu'ici. Donc l'ancien président de la République était invité. Les vice-présidents de la République ont également été invités. Tout à l'heure, on a vu Jean-Pierre Bemba Gombo qui a pris place à la tribune qui est érigée ici au tarmac de l'aéroport international de Ndjili. Les anciens premiers ministres, les anciens présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat sont également ici. Les corps constitués, on a vu le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, deux membres du gouvernement et d'autres officiels responsables de services étatiques qui sont ici pour assister à cet hommage présidentiel qui s'est fait ici à l'aéroport international d'Ndjili. Une petite cérémonie, comme nous le disions tout à l'heure, c'est hautement symbolique pour ces héros nationaux vénérés non seulement par l'ensemble de la population congolaise, mais un peu partout en Afrique. Il y a d'ailleurs des places publiques qui portent son nom un peu partout dans nos villes africaines, mais également aux environs lointains. Vous allez en Suède, vous allez jusqu'en Russie, en France, à Bruxelles, en Belgique. Il y a des places publiques qui portent les noms de Patrice Emery Lumumba, le tout premier Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il naquit le 2 juillet 1925. Il mourut le 17 juin 61, donc à 35 ans. Il était Premier ministre, l'un des jeunes Premiers ministres de la République démocratique du Congo. Plusieurs moments auront marqué l'histoire de sa lutte politique. D'abord à Kisangani, avec sa brillante élection aux législatives qui l'ont porté à la primature, mais aussi son discours improvisé, mais resté historique, le 30 juin 1960 devant les souverains belges. Les protocoles n'avaient pas prévu sa prise de parole, mais suivant les protocoles, les présidents de la République de l'époque, qui avaient moins de pouvoir que lui, ne pouvaient donc pas prononcer un discours qui engage le gouvernement sans que le Premier ministre n'ait pris connaissance. Voilà pourquoi, guidé par certains de ses amis, aussi bien congolais que belges, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba prit son courage de jeunesse pour improviser un discours dont l'objectif était de montrer que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, mais que c'était l'épilogue d'une lutte politique avec certains maires de l'indépendance. C'est ce discours qui est resté historique, mais c'est également ce discours qui signait un peu son certificat de décès, parce que les événements qui ont suivi cette date ont été douloureux jusqu'à son assassinat à Chilatembo dans la province du Katanga. Et c'est de là que l'un de ses bourreaux aura récupéré une dent qu'il a gardée, et c'est sa fille qui, en 2016, remit cette dent au procureur général de Bruxelles. Ainsi donc, cette preuve de vie permet aujourd'hui à la République démocratique du Congo d'offrir une sépulture à ses tout premiers Premier ministre du Congo indépendant, mais aussi premier héros national, celui qui symbolise le nationalisme, parce que la République démocratique du Congo d'après l'indépendance était à bord de l'implosion, mais lui a fait cet effort-là. Voilà les drapeaux congolais qui flottent pour cet avion Patrice Emery Lumumba. Bientôt, d'ici quelques instants, les reliques qui sont contenues dans un cercueil de 120 kilos fait du bois noir, du bois congolais, du bois massif, va donc descendre et va prendre place au centre de cette chapelle ardente qui est érigée ici devant les pavillons présidentiels. Ainsi, le président de la République va donc donner les dons pour cet hommage. Merci Giscard Koussema pour toutes ces informations. Comme vous le constatez, les groupes folkloriques étaient là, exhibent quelques pas de danse en attendant que l'avion s'immobilise complètement et que les moteurs soient donc arrêtés pour procéder donc à l'accueil, à la descente de l'avion, de la dépouille de Mary Patrice Lumumba. La garde d'honneur est là
pour accompagner cette arrivée de cette personnalité dont l'effigie est là sur l'avion Emery Patrice Lumumba, un regard très perçant derrière ses paires de lunettes, symbolisant la personnalité assez lucide qu'était Emery Patrice Lumumba, et une personnalité forte, une personnalité aussi imposante qu'était cette personnalité dont la dépouille rentre aujourd'hui à Kinshasa, et que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, lui-même s'est déplacé ici à l'aéroport international de Dili pour accueillir cette dépouille d'Emery Patrice Lumumba. Je vous disais tantôt que la garde d'honneur est rangée pour accompagner la procession qui va donc amener le corps d'Emery Patrice Lumumba sur cette chapelle ardente dressée légèrement devant la tribune dans laquelle sont installées toutes les autorités venues assister à cette grande cérémonie aujourd'hui à Kinshasa, une cérémonie qui s'est faite en ce lundi 27 juin, jour du deuil national de 3 jours. Les débuts de ce deuil aujourd'hui va donc être consacré par cette dépouille d'Emery Patrice Lumumba qui est entrée à Kinshasa après avoir fait un léger scale ou un bref scale à Kinshasa mercredi dernier pour 3 destinations prévues au Sankourou où le président de l'Assemblée nationale était pour représenter le président de la République, ensuite à Kisangani où le président du Sénat était là pour représenter le président de la République, et à Lubumbashi où le premier ministre chef du gouvernement était allé représenter également le président de la République. Il est venu ici quelques minutes auparavant pour assister à cette grande cérémonie d'une très très grande solennité. Il est là en train d'échanger avec l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est le premier ministre chef du gouvernement, Samalou Koundé qui est là présent. Je vous ai dit qu'il est venu à quelques minutes avant l'arrivée de cette dépouille mortelle. C'est lui qui est allé justement à Lubumbashi représenter le président de la République jusqu'à Chila Tembo où Emery Patrice Lumumba a connu ses derniers moments à Astrid Okomo. Edi Chala, tunaona ndege yenye kuwa na kiungo cha mwili ya bwana Emery Patrice Lumumba imetoka mkutua kunako uwanja wa ndege ya Njili. Kweli tuleza kuona pale walikuwa mbalimbali, viongozi mbalimbali wa kisiasa, sawa vile rais mahakamu wa zamani wa 1 plus 4 bwana Jean-Pierre Bemba Gombo na vile vile amekwisha kuingizana mahali hii kwa kuweza tu kutoa heshima ya mwisho kwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kweli ni hali yenye inaonesha kabisa hali ya mapendo ya nchi kwa kuona kwamba miaka 16 kisha baba anafariki, haukujua kaburi ya baba, haukuona kaburi ya baba, mahali hata utaenda kupalilia kwenye shamba la afu haikukua, lakini kwa sasa una kitumaini ya kusema kwamba kweli naona sasa mahali ambako wataweza kumzika baba, takuwa naenda kupalilia mahali ambako mwili wa baba umelazwa. Ni jambo kubwa kabisa kwa raia wa Kongo, kwani raia wa Kongo leo watasema, wana kitumaini kusema kwamba tunakuwa sasa na kaburi ya waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwani tunajua kwamba ni kwa nafasi ya échangeur ndiye tunaweza kuwa naenda kutia taji la ua wakati wa ukumbusho wake, tunaenda kupalilia sawa vile leo tunakumbuka hayati mzee Laurent Désiré Kabila, kuna nafasi ambako analazwa tunaenda kumtizama, ndiye sawa vile leo basi kisha miaka 61 bwana Emery Patrice Lumumba kiungo chake cha mwili wake unarudi ndani ya udongo wa mababu yake. Ni jambo kubwa zaidi sababu hakuwa kabisa na kaburi ndani ya udongo wake ya mababu, lakini leo amerudishwa katika nchi ya mababu wake. Ni jambo kubwa kabisa kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona sanduku ya hayati waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kushuka katika gari la ndege, na ni ndege hiyo yenye walipanga Congo Airways Emery Patrice Lumumba ndiye yenye ilianza kutuku
kukamata kabisa mwili wa marehemu, kiungo cha mwili na kuweza kuyaleta ndani ya mji wa Kinshasa kwenye kutaongozwa kilio ya siku tatu na kuweza kuzikwa mahali ya Echangeur, mahali ambako kumejengwa mozole juu ya kuweza kutia kiungo cha mwili ya marehemu. Ni mwili wa marehemu kabisa wenye unarudi hata katika kiroho. Kweli mwili wa marehemu unarudi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hakika raia wa Kongo wametosheka kabisa kwa siku ya leo kwa kuona kwamba hata kama mwili wa marehemu uliweza kupelekwa, watu watasema sababu gani uliweza kupelekwa upande wa Sankuru. Upande wa Sankuru ni kijiji, ni jimbo ambako aliweza kuzaliwa, huko upande wa Onalua. Na upande wa Kisangani utajua kwamba ilikuwa mahali ambako aliweza kuanzisha hali yake ya kisiasa upande huo. Pia upande wa Katanga ni mahali ambako aliweza kuuawa mnamo tarehe 17 Januari mwaka 1961. Basi mtajua kwamba kuna programa yenye iliweza kutiwa kutokana na kipindi chenye tunaanzisha leo ndani ya mji wa Kinshasa, kufika kwa mwili wake kisha uwanja wa ndege ya Njili. Mwili wa marehemu utaweza kupelekwa upande huo wa Paleti Peple. Utajua kwamba alikuwa vile vile mteule mwenye aliweza kuteuliwa upande wa Kisangani kunako mwaka 1960, ndiye aliweza kuteuliwa upande huo wa Kisangani. Basi na Kinshasa ndiye aliweza kuchaguliwa sawa vile aliweza kutiwa sawa vile waziri mkuu katika mji wa Kinshasa. Basi ndiye katika vyumba vyote viwili vya bunge vitapashwa kabisa kumtolea heshima kwa kuona kwamba aliweza kuwa mteule, pia aliweza kuwa waziri mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia mwili wake uliweza kupelekwa upande huo wa Chumbe kisha upande wa Lumumba vile na Onalua. Lumumba vile ni mtu wenye wanaweza kutia kabisa jina ya Lumumba vile kwa kuona kwamba ni msuja kabisa mwenye aliweza kutetea nchi yake. Na Kisangani vile vile kwenye aliweza kupita, kwenye aliweza kuteuliwa saa vile mteule katika bunge ya Kinshasa, ndiye aliweza kutiwa sawa vile waziri mkuu wa Jamhuri ya Kongo. Asante dada Astrid Okongo bampaka lizolo baina nsona kulanda televizio ya peple bina nkumona yao na bifikula na bina teti ndeke to avion ina mena tanzutu mvumbi ya patisemeri mumba mvumbi yao ina mekita na kati ya avion bampaka lizolo awa bakime fuluka meke bambuta nenene ya politiki mekuiza awa na nganda ya avion samu na kuyamba nzutu ya patisemeri mumba mutini vina kumona yao ina kele nzutu tukina mvumbi serketo sanduku yake na ku yake na ba kilo kama mos na makumi zole ya mvimba apeba militaire inti na beto kina kupesa alu hukumu. Beno nzutu ya Patrice Emery Lumumba ero national mfumo aluyalu ya ntete ya Congo Democratique nzutu mekita awa na nganda ya avion ya Njili yake le ba mfumo ya makesa mpeba onde bemenata nzutu ina baki na kupesa yandi lukumu.
Bulele la Mobiji wa Patrice Emery Lumumba mumana ku Tuluka pamana ku Mukukwila kuchi makinambula Kalonda fumwaji tonga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Nikala Penda ni Chakumona mushindu wa ku Teka Tshilongo anye ku Nyunguluka ku Mobiji wa Patrice Emery Lumumba meneka vulaji et un fumoaji tunga mukelenga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uji ukukwila penda ku mubiji wa Patrice Emery Lumumba kunyimo kwa biji muma kumia sambombo nishumwa biji mbimo bia kubijimba bia mubiji wa Patrice Emery Lumumba wifika mungi tunga ja Congo Démocratique bion suebi kubwenzeje ni nanga nanga kumuji mumune na mweza kujifumwa chitunga Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mchikondo chifumika lopetanga na ni Roi Philippe wajitungu jamutando wa Belge kumie yonso mayu kilanga na Roi Philippe vumika la mulae buwase ni kala ni chakwenza mwosu mwakwenza bwakumuna mwushindo kupingasha mubiji wa Patrice Emery Lumumba lelo meye akutekibo mchenzelu na shabi kalaka nyinga nyinga kumuchima mbika nujumwena kaini mwushindo kaya ujifumu wajitunga Muye kukukwila ni bikala ni bileshu buwase bulelela tujumu majilu bulelela tujibikala mu majilu majilu ikala ni chakwenza matuku asatu kutuwa jija lelu wajimwa malaba wajama bijito ni mu jama satu mu jama nai muikala bu ni chaku teka mubiji eu mwaba wa wakashiji pa place wa échangeur commune Walimete mbo ni chumwa kulisekulu wakatangu wa maji mwaba utububa ya kumushibeya anye mwuyu kushikijila mko lelewu chiji chikala chifulu kichichinena kuchibana bakongo wa munga lata eji chala voilà donc le moment était très solennel à ce moment précis le corps de Mary Patrice Lumumba ou la dépouille de Mary Patrice Lumumba va donc quitter l'aéroport international d'Ndjili après que le président de la République s'est incliné on va donc cette dépouille avec disons, le cercueil qui a cette relique de Mary Patrice Lumumba pour poser ce cercueil dans le véhicule que vous avez devant vous qui va parcourir la ville de Kinshasa, traverser donc la ville depuis l'aéroport jusqu'au palais du peuple où les funérailles populaires vont être organisées. Giscard Koussema, le programme a été donné par vous tout à l'heure et je crois qu'à présent il ne reste plus que les départs du corps et celui du président de la République pour cette grande cérémonie qui va avoir lieu pour l'ensemble du peuple congolais au palais du peuple. Les cortèges funèbres vont justement s'ébranler dès cet instant en direction du palais du peuple où commence dès aujourd'hui, dès cet instant, l'hommage populaire au tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Pour l'instant, seul le président de la République s'est incliné devant cette relique contenue dans ses cercueils en bois, du bois massif congolais, du bois noir, qui pèse en tout 120 kilos, transporté par ses officiers des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce véhicule va donc s'ébranler en direction du palais du peuple. Il va prendre les boulevards qui portent les noms du premier ministre, les boulevards Lumumba, sur une distance de près de 25 kilomètres, 25 exactement, qui sépare l'aéroport international d'Ndjili au palais du peuple. La population congolaise est donc invitée à
s'incliner devant cette dépouille qui sera exposée deux aujourd'hui jusqu'au demain soir au palais du peuple, au siège du Parlement. Et là, c'est Christophe Mbosso Kodiakwana et Modeste Bahati Lukwebo qui vont accueillir et organiser ces funérailles populaires. Alors, sous cette musique lente, donc la dépouille mortelle va quitter le tarmac présidentiel de l'aéroport international d'Engili. On rappelle que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est lui qui a fait aboutir justement cette longue bataille pour la restitution des restes du premier ministre pour un hommage officiel et une sépulture. Le président de la République, je disais, assiste donc à cette levée de la dépouille pour le centre-ville. Il était entouré d'un ancien vice-président, Jean-Pierre Bemba Gombo, acteur politique de premier rang dans ce pays. Il y avait également le président de deux chambres du Parlement, des chefs des corps constitués, des membres des familles Lumumba, le premier ministre, voilà, il faut le signaler, le premier ministre en fonction, Jean-Michel Sama Lukonde, qui est arrivé dans ces lieux quelques minutes seulement avant l'atterrissage de l'avion, Patrice Lumumba, qui est également ici. Pour le reste du programme, nous rappelons que aujourd'hui commence ces hommage populaire au palais du peuple de Kinshasa. Les corps vont y passer la nuit. La population est invitée à s'incliner. L'accès est donc autorisé à toute la population congolaise pour aujourd'hui et demain. Mais le mercredi, c'est une journée particulière dans la mesure où les deux compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba, j'ai cité Okito Impolo, seront décorés par le président de la République. Ils vont recevoir la plus haute distinction civique de la République démocratique du Congo. Ce sera au palais de la nation, là même où Lumumba avait prononcé son discours de l'indépendance le 30 juin 1960. Ces mêmes jours, la dépouille mortelle prendra la direction de la primature où il y aura une dernière veillée avant la journée du jeudi 30 juin, une journée qui va commencer par un passage au niveau de la résidence familiale de Lumumba. C'est sur les boulevards du 30 juin, juste en face du golfe de Kinshasa. Et puis, la dépouille prendra la direction du monument Patrice Emery Lumumba qui a été réaménagé pour abriter les caveaux où va reposer pour l'éternité cette relique, cette preuve de vie du tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Nous rappelons également que c'est depuis le 20 juin de cette même année que l'hommage a commencé d'abord à Bruxelles, au Palais Egmont, devant le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, et son homologue de Belgique, Alexandre Descroux, que cette relique avait d'abord été restituée à la famille et puis à la République à travers le premier ministre congolais. C'est une correction en fait de l'histoire, une histoire qui était jusqu'ici inachevée pour une personnalité adulée par la population par rapport à sa lutte pour l'indépendance de notre pays. On retiendra de lui cette célèbre phrase que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique, en effet, mais il s'agit simplement du couronnement d'une lutte menée par les pionniers de l'indépendance. Voilà ce que nous pouvons vous décrire à l'instant ici à l'aéroport international d'Engili pour cette sobre mais significative cérémonie présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. N'attendez pas ton de Giscard Poussema. Baye Balandi à Radio Télévision Congolais Tomoni, Mokambi Kolo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Outi Penza, au Kitapona Kopé sa Mbote, le Ngetrobaka, qu'on s'inclinait. Et puis, il y a Sandoku ya Patrice Emery Lumumba, ministre Mokonzi wa Yambo ya Kala. Yewana, et Jean-Misikana Motuka, Malembe, Malembe,
Bonjamboka, Félix Antoine Tseke Chilombo. Et Bissonaye et Longo Katina Libanda la Pepoliangili. Kasioma Balabala Manso Mangma Mokonziki Tchasa Kobanda Awa Kino na Palais du Peuple. Sangue Komeli Bissouete, Bato Bazali Baike, Wanana Bilili, Ezali Bana. Ya Patrice Emery Lumumba. Bangkoko Bayete Kasibana Baye. Motuka ezali kozwa malembe malembe nzela ya kobima awa okati ya libanda na mpepo ya njili kasi bayebanso bazali kolanda nzela seyoko kino na palais du peuple. Palais du peuple epai wapi molulu mokosalema mpona bana Congo banso. Bana Congo banso. Kasi na mwa lombango tikato sabino ete ministre mokonzi wa kala wa yambo Patrice Emery Lumumba okunda eboye bozali lelote bokoza moko mwa mine mwa poso e tozali olobala la échangeur ya limete epai wapi mozole mola mobongisami toko mona bakambi wa Jean-Pierre Bemba Gombo Azalaka Moko Kati Ya Balandi Ya Tata Mokonjwa Kalokate Kola Komo Demokratique Doko Mona Ministre Mokonjwa Viso Jean-Michel Sama Lukonde Kenge Doko Mona Modesi Bati Lukwebo Doko Mona Christophe Mboso Koja Kwanga Wana Bazali Bakambi Baeto Zwami Na Bango Kati Na Oisika Nazai Kobete Ero National Tope Lombe Patrice Emery Lumumba Osima Yamibutu Kumo Toba Na Moko Toba mobo makaye o mia zomi na sambo sanza yambo mobuko toko kama libwatu kumotoba na moko kuna na mboka silantembo ezomi na ntaka kilometre tukumitano na motoba na engumba Elizabethville ya Kalokate tuka enene ya Katanga kasi lelo Lubumbashi epai wapi zote uti wana mokambi ekolo Félix Antoine Tseke Chilombo. Na sima ya bopesi lokumu. Na Patrice Emery Lumumba. Azali kobima. Ye wana kokende kokota au salon présidentiel. Ilili bizaye kotalisa. Manso bozaye kolanda awa. Okati ya libanda la mpepo ya njili. Nazaye kolobete Patrice Emery Lumumba babomaki na mboka. Chilantembo. Nous sommes en taka kilomètre tout comme dans la motoba na engumba Lubumbashi na nzela kokende na engumba likasi okache tuka ya okatanga e pa yo puto lobilo leki moko mwalo mingo kino le lobi ko bya tongo mululu mosalema kikuna awei na ya zomi na sambo sanza yambo mobukoto ko kamalibwa Tuku motoba na moko kasiye abota maka na mboka onalua okate tuka ya sankuru zaki omia mibale sanza ya sambo mbukoto ko kamalibwa tukumba ina mitano Patrice Emery Lumumba asalaka na